Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de nous intéresser au changement d'état d'esprit, au fait de changer sa mentalité, son mindset, comme on dit un peu trop facilement, mais bon, bref, vous avez compris, de changer en quoi ça peut être intéressant et surtout ça peut être décisif dans nos vies. Donc, en fait, cette vidéo, je vais essayer de la couper en trois parties. Dans une première partie, on va essayer de comprendre pourquoi on peut avoir intérêt à changer d'état d'esprit. Dans une deuxième partie, j'aborderai le fait qu'il y ait malheureusement des difficultés. Il existe des difficultés et c'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ça demande une démarche volontaire et consciente. Et dans la troisième partie, on essaiera de voir justement comment parvenir à travailler sur soi et à changer cet état d'esprit. Donc voilà, on va essayer de faire. Donc restez bien au bout de la vidéo pour justement voir quel outil moi je préconise et surtout quelle magie cet outil a en chacun de nous. En tout cas, moi, ça m'a permis de changer mon état d'esprit au point d'aller contre nature et de réaliser un rêve qui était le fait de partir voyager en Amérique du Sud pendant un an avec mon sac à dos alors que j'étais terrifié par l'inconnu. Chose qui était complètement contre nature, mais en travaillant sur mon état d'esprit, en travaillant sur ma mentalité, je suis parvenu à y arriver. Et donc, on verra ça en fin de vidéo. Donc tout d'abord, pourquoi? Pourquoi on peut être amené à vouloir changer d'état d'esprit, changer sa mentalité? Ben déjà, le plus simple qui me semble évident, c'est parce qu'on n'est pas épanoui, tout simplement. Si vous avancez dans votre vie en permanence sans atteindre vos buts, sans vous sentir vraiment vivant, il faut faire un changement. Et peut-être que vous l'avez déjà entrepris, cette démarche de vouloir changer. Mais comme disait Albert Einstein, c'est illusoire, c'est de la pure folie du vent. À peu près, il disait qu'en gros, c'était de la pure folie de croire pouvoir obtenir des résultats différents en réalisant toujours les mêmes choses. Donc, si vous avez toujours utilisé les mêmes méthodes et que vous n'êtes pas arrivé à vos fins, peut-être qu'il faut changer quelque chose et que ce quelque chose se situe au niveau de votre état d'esprit, de votre mentalité. Bref. Donc voilà, donc déjà, la première raison, c'est pour atteindre vos résultats et pour vivre plus épanoui. Et indirectement, une des autres raisons, une des autres conséquences naturelles que vous pouvez aller chercher à changer votre mindset, c'est de réaliser vos rêves, de enfin vivre épanoui parce que vous savez que vous allez dans la bonne direction et que vous avez dépassé finalement des barrières, des croyances limitantes, comme on dit, choses qui peuvent vous amener à la magie. À la magie dans votre vie. Voilà, bref. Donc voilà, ça, c'est, on a posé le cadre pour le pourquoi. Pourquoi vous devez avoir, pourquoi vous cherchez peut-être justement à changer votre mentalité, votre état d'esprit. Oui, mais, et ça, c'est la deuxième partie, il y a un mais, ou il y a des mais, en tout cas, c'est que, ben, comme ce n'est pas quelque chose qui est naturel, il y a automatiquement un prix à payer. Et un prix à payer, il y a une difficulté à franchir, il y a une barrière à dépasser. Qui peut soit être lié à votre propre regard sur vous-même et à votre propre croyance limitante par rapport à votre potentiel, mais qui peut également être lié au regard des autres. Parce que c'est jamais facile de dire, ben, moi, on m'a toujours connu comme ça, et désormais, je vais me montrer sous une autre facette. Je vais montrer une autre facette de ma personnalité. Donc, est-ce que les gens qui me connaissent vont pas être un peu perturbés? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont me juger, etc. Bref, il faut aussi être capable de dépasser cette peur du regard de l'autre. Et ça, ce n'est pas évident. C'est jamais évident. C'est également la peur de l'inconnu qui peut nous retenir. Vous avez toujours œuvré dans un domaine que vous connaissez bien, dans lequel vous êtes à l'aise, mais voilà, que vous connaissez. Qu'est-ce qui va m'arriver demain quand je vais aller sur des terrains que je ne connais pas, sur des choses que je n'ai jamais explorées, de moi-même et de mes capacités? La peur de l'inconnu peut être également une grosse contrainte finalement à ce travail de changement d'état d'esprit. Et donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est un travail sur soi, c'est un travail sur soi. Et donc là, on en vient à la troisième partie de cette vidéo dans laquelle je voudrais vous dévoiler en gros, ben, moi, donc de manière générale, hein, je pense que le travail sur soi, c'est par là qu'on doit commencer tout projet qui vise à changer sa mentalité, à changer son état d'esprit. Prendre un état d'esprit de conquérant si on ne l'a pas, prendre un état d'esprit d'homme qui risque, de personne qui risque, si c'est pas ce que vous avez. Enfin, vraiment changer
vision des choses, angle de vue sur votre vie pour, ben, pour atteindre de nouveaux résultats, justement. Et donc, le travail sur soi peut prendre des canaux infinis. Et moi, sur ce blog, sur cette chaîne YouTube, ce que je cherche à vulgariser et à faire connaître au plus grand nombre, c'est un outil incroyable qui s'appelle le MBTI. Le MBTI, donc le Myers-Briggs Typing Indicator, qui est issu des travaux de Carl Jung, qui était un psychologue, un disciple de Freud, qui a en gros, en deux mots, en deux lignes, et si vous connaissez la chaîne ou si vous connaissez le blog, vous m'avez déjà entendu le dire ou l'écrire, c'est un outil qui en gros cartographie toute la population en 16 personnalités, en 16 fonctionnements basés sur les préférences cognitives. Et donc, en fait, c'est basé sur les travaux de Jung qui ont été repris ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, ces 16 grandes personnalités sont regroupées en 4 grands tempéraments, les idéalistes, les rationnels, les artisans de projet et les gardiens des traditions. Et chacune des 16 personnalités ou bien chacun des 4 tempéraments, je vous invite sur le blog d'ailleurs à papillonner pour aller lire un peu les différents descriptifs que j'ai pu rédiger. Chacun des profils et chacun des tempéraments a des points faibles et des points forts. Et justement, moi, je suis persuadé qu'en comprenant son fonctionnement, en travaillant sur soi, on peut parvenir à changer son état d'esprit, à dépasser ses barrières. Moi, je vais vous donner un exemple très simple, c'est mon exemple à moi. Je suis un ESFJ, ça ne vous parle certainement pas, mais voilà, je suis un profil des gardiens des traditions qui déteste les changements de dernière minute, qui déteste sortir de son inconfort, qui déteste la prise de risque, etc. C'est vraiment ancré en moi. Et pourtant, vous voyez, j'ai voulu réaliser un rêve qui était celui de partir voyager en solo avec un sac à dos, alors que je n'avais jamais voyagé en sac à dos de ma vie, et encore moins en solo. Je suis parti pendant 10 mois, j'ai pris une année sabbatique, j'ai osé déjà prendre une année sabbatique auprès de mon entreprise, chose qui était pour moi sortir du cadre que je connaissais, du métro, boulot, dodo, des habitudes, des choses que je connaissais bien, etc. Donc pour moi déjà, c'était impensable. Et ensuite, j'ai réalisé mon rêve, je suis parti avec un sac à dos et faire le tour de l'Amérique du Sud. J'ai traversé 10 pays, l'Argentine, le Chili, le Brésil, je suis monté à 5000 mètres au Pérou, j'ai descendu le fleuve Amazon pendant 13 jours en dormant dans un hamac avec les Brésiliens, en vivant comme un Brésilien. J'ai traversé la mer des Caraïbes sur un voilier, je suis allé voir le plus grand désert du sel du monde, j'ai pêché le piranha, il m'est arrivé des tonnes d'aventures pendant 10 mois. Que quelqu'un de mon profil, avec mon mindset, avec ma mentalité psychologique de base, innée, puisque chacun des 16 profils est inné, mais c'est quelque chose qui contre-nature totalement. Mais j'ai réussi à dépasser mes peurs, j'ai réussi à changer mon état d'esprit en apprenant sur moi-même, en me concentrant sur moi et en me disant, bon, ok, ça c'est mes points forts, parce qu'on a tous des points forts, hein. Vous avez des points forts, hein, il n'y a aucun des 16 profils qui a que des points faibles. Hein. Chacun des 16 profils a des points forts et chacun des 16 profils a des points d'amélioration. Et bien, en prenant conscience de mes points d'amélioration, j'ai travaillé dessus. Pendant 2 ans, j'ai travaillé sur ma peur de l'inconfort, ma peur de l'inconnu, et je me suis rendu compte qu'en fait, ben c'était totalement une lubie de mon cerveau, parce qu'il faut savoir quand même que la majeure partie de nos peurs sont infondées. Hein. 90, je crois que le chiffre, c'est 90%, je ne suis pas certain, mais 90% de nos peurs sont infondées. Elles se basent sur des choses qui ne peuvent pas arriver ou qui n'arriveront jamais. Donc voilà, donc j'ai énormément travaillé là-dessus, et j'ai réalisé mon rêve, je suis parti en Amérique du Sud, faire mon voyage pendant 10 mois en prenant une année sabbatique et en vivant finalement l'année la plus incroyable de toute ma vie. Donc, tout ça pour vous dire que le changement d'état d'esprit, le changement de mindset, c'est possible. C'est possible pour n'importe qui. Mais l'étape initiale, vous choisirez le moyen que vous voulez, vous devez apprendre sur vous-même. Travailler sur votre personnalité, apprenez à vous comprendre, vos points forts, vos points faibles. On en a tous, hein, la nature est bien faite. Et une fois que vous avez cette cartographie, cette vision sur vous-même, eh bien, écoutez, en avant, et vous pouvez commencer à travailler dessus et ensuite changer d'état d'esprit. C'est parfait. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être arrivé à ce niveau de la vidéo. Je vous mets en description de la vidéo, si vous êtes sur YouTube, le petit test maison qui n'a rien d'officiel, qui vous donnera des indications sur peut-être votre profil MBTI, et je vous mettrai également les 16, je vous enverrai par mail les 16 synthèses que j'ai réalisées d'une dizaine de pages chacune des 16 profils pour essayer de voir si vous vous reconnaissez et de commencer à travailler sur vous-même, à découvrir votre personnalité
et ainsi pouvoir aller vers un changement d'état d'esprit qui vous permettra de réaliser vos rêves, j'en suis convaincu. Voilà, je vous remercie encore, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.